Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Apollo Justice Trilogy. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre procès contre Taro Tenma, Monsieur Tenma, blablabla. C'est parti. Toutes les pièces du puzzle sont enfin réunies. Mais c'est-à-dire, Monsieur le procureur, il semblerait que je doive tout vous expliquer. Monsieur Tenma a tué le conseiller dans le salon du renard qui a été à ce moment verrouillé. Il a ensuite retiré les talismans de la porte de la chambre interdite. Mais s'est finalement évanoui suite au coup que lui avait porté le conseiller. C'est à ce moment-là que sa fille est arrivée sur les lieux du crime. Bah ça correspond pas, il était sur son siège. La petite peste a fui, terrifiée alors que l'esprit de Taro Tenma, enfin libéré du pouvoir des talismans, a pris possession du corps du maire. Yokai est désormais affranchi, dès lors put quitter le salon du renard. La créature aperçue par Malveillette Tenma n'était donc que son père possédé par Taro Tenma. Objection. Mais lorsque nous sommes arrivés sur place, le maire était inconscient. Comment aurait-il pu s'envoler par la fenêtre de l'entrée? Que proposez-vous dans ce cas que Taro Tenma soit en fait la femme de chambre? Arg. Un instant. Croix. Voilà qui explique tout aussi aisément. J'ai pris bien mon envol à l'instant, mais finalement fatigué, décidai-je de regagner la chambre. Hélas, l'épuisement a eu raison de moi et je perdis connaissance dans le salon du renard. Les pièces du puzzle n'ont donc pas bougé d'un cheveu. Que manigance encore l'âme noire. J'en perds mes mots, l'accusé soit-il véritable? Alors comme ça, les rumeurs disaient vrai, j'ai toujours su que les yokai existaient. Et vraiment assassiné le conseiller juste pour libérer Taro Tenma? Mais non. Du calme dans la salle. Et voilà que tout le monde dans la salle croit au yokai maintenant. Il nous fait du jack à 10 puissance 1000. Il est prêt à tout pour faire condamner notre client, même à le faire passer pour un yokai. Mais tout cela me semble clair. La culpabilité de l'accusé ne devrait plus faire le moindre doute à vos yeux, votre acranté. Voilà l'une des affaires les plus étranges de toute ma carrière, c'est surnaturel. Je ne sais même pas si les yokai tombent sous ma juridiction. Objection. Monsieur Tenma fait semblant d'être Taro Tenma afin de protéger sa fille, et de plus j'ai déjà prouvé qu'une tierce personne était susceptible d'avoir quitté la pièce. Il est beaucoup trop tôt pour rendre un verdict. L'accusation comme la défense disposant d'arguments convaincants, je vais me forcer de... Silence, le juge. La justice vit un âge sombre. On ne peut donc plus faire confiance aux avocats. Ils cherchent à fabriquer des fausses preuves. Comment trouverai-je le sommeil? Tout en sachant que l'homme n'apportera pas au maire la sensation qu'il mérite, monsieur Justice. T'en fous plutôt le sommeil. Je ne compte pas fabriquer de preuves. Mais silence. Prouvez-le donc en m'accompagnant. Une nuit en cellule vous gardera de toute tentation. Sinon, je peux aussi promettre de ne pas me laisser tenter, non? Nous disposons de preuves et d'aveux, l'assassin et le yokai qui se tient devant vous. Je ne fais pas le moindre doute. Mais ça n'a aucun sens. Le déclaré coupable est l'unique. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur le procureur, veuillez cesser immédiatement vos entourloupes. La justice se fond sur le respect des règles et vous avez visiblement décidé de les ignorer. Argue, mais qu'est-ce que c'était que ça? Brouillant, c'est vous qui avez trafiqué mes chaînes. J'ai l'impression que vous êtes encore sous le choc. C'est mon coup de justice, lol. Celui-là est pas mal. Une simple pression entraîne un rappel à l'ordre des plus électrisants. Vous le paierez. Moi, j'ai accepté Edward Zubzut. Monsieur le juge, n'ayez crainte, je crois que monsieur le procureur a bien compris la leçon. Mieux vaut tard que jamais, pas vrai, inspecteur? Il était temps qu'il revienne, lui. Très bien, dans ce cas, voilà qui clôt cette journée de délibération. L'accusation et la défense profiteront de cette pause pour approfondir leurs enquêtes respectives. La cour est ajournée. Paf. À suivre. Tout de suite la suite. Merci pour cette interlude de jeu. 18 avril à 13h20, agence a tout fait right. Ta-ta-ta-ta, ça doit être la première fois qu'un yokai témoigne dans un tribunal. Je suis Taro Tenma, le yokai que vous recherchez. Mais pourquoi un homme aussi terre-à-terre que Monsieur Tenma prétend être un démon? Mais oui, c'est étrange. Le pire, c'est que l'âme noire semble jouer le jeu à fond. Je n'arrive même plus à réfléchir. Faut que j'aille courir. Mais attends, comment on fait pour l'enquête? Me revoilà. Et là, salut, vérité. Oh, tu as rendu de scène, tu as rendu du travail. Et oui, j'ai réussi ce nouveau tour pour lequel je m'entraînais. Et en parlant de tour, il paraît qu'il y a eu de beaux au tribunal. Entre l'invocation démoniaque et la défense de la dernière chance de Polo. Avec tout ça, j'avais bien envie d'ajouter un petit numéro de disparition. Et pour notre prochain tour, il va nous falloir un nouveau suspect. L'assassin a certainement utilisé le conduit d'aération pour s'échapper. Et cette même personne était sans aucun doute le Taro Tenma qu'on a aperçu Monsieur Loupé et Malveina. Mais il n'a pas utilisé le conduit d'aération pour s'échapper, il l'a fait pour envoyer la clé, on a dit. Exact, il reste peut-être des preuves dans le conduit. Ah oui, d'accord, ok.
dans le sens il l'a utilisé dans tous les cas. Le vrai combat, c'est maintenant. Et avant de partir, je vais faire disparaître toutes les preuves dont on n'avait plus besoin. Pouf. 3, 2, 1, et pouf. Toutes les preuves inutiles ont disparu dans la culotte magique de vérité. Je me demande où vont tous ces trucs. Mais ça sert à quoi des preuves inutiles? C'est pour nous faire un peu de place dans l'inventaire. Et de clarté, mais ok. Allez, direction la scène du crime. Let's go, Apollo. Ça pourrait toujours nous servir, non? 18 avril, manoir QB, salon du renard. Inspecteur Brillant, ça vous dérange? Ça vous dérange-t-il si nous fouillons la bouche d'aération? Dans la mesure où vous œuvrez pour la justice, je ne vais pas vous y opposer. Sans compter que mon propre sens de la justice ne semble pas infaillible. Je me demande si c'est le procès qui l'a mis dans cet état. Il faut dire que son sens de la justice a été complètement broyé. Il va lui falloir un peu de temps pour s'en remettre. Il me fait de la peine, mais nous avons du pain sur la planche. Allons chercher nos preuves. Ce conduit d'aération est crucial, il est certain que notre tarot Tenma s'en est servi pour fuir. Après avoir tué le conseiller, l'assassin a quitté le salon du renard par la porte du couloir. Puis, après avoir verrouillé la porte de l'extérieur, le tueur est entré dans le conduit depuis le couloir. On l'a déjà dit ça. Enfin, il a lâché la clé dans le salon depuis cette ouverture. Mais oui, mais blablabla. Puis a rebroussé chemin, blablabla. Mais oui. Si l'assassin est passé par le conduit, il en restera sûrement des preuves. Oui, des plumes noires par exemple. Peut-être. Autre chose. Voilà le conduit, c'est haut quand même. T'inquiète, j'ai pris un escabeau, bonne chasse. Elle me désigne volontairement l'office, sympa. On va pouvoir cliquer sur l'échelle. Ouais, il fait complètement noir là-dedans. Non, ça va, on peut pas cliquer. Mais c'est un escabeau, mais justement, c'est la blague. Bon, quand faut y aller. On va voir le gros masque. Tous, c'est vraiment poussiéreux. Apte Ekoff. Je ne comprends pas. Tu as trouvé quelque chose? Burke, mais qu'est-ce qui t'arrive, Apollo? Tu es couvert de poussière. Ça, de la poussière, il y en a plein. Alors, tu as trouvé quoi? Tu vois comment la poussière a tendance à s'accumuler sur les objets inutilisés? Oui, comme sur le bureau de Monsieur Wright au cabinet. Voilà. Crois-tu que quelqu'un pourrait ramper de la poussière sans laisser de traces? Ça m'étonnerait. Attends, tu veux dire que personne ne serait passé par là récemment? Rien, ni personne. Si c'est bien le cas, le maire ne va être reconnu coupable. Mais... Si on ne trouve pas rapidement une solution, la justice prévaudra. Ah, désolé monsieur Justice, il semblerait que votre justice ne soit pas la plus juste finalement. C'est mon sens de la justice qui a triomphé. Arg. L'inspecteur Brillant a l'air beaucoup plus joyeux d'un coup. Pff, et moi je suis de nouveau au fond du trou. Allez, reprends-toi, où est passée ta fameuse combativité? Alors monsieur l'avocat, on a un coup de mou? Laissez-moi souffrir tranquille. Ah, la justice prévaut toujours. On n'a pas dit notre dernier mot. Et puis, frapper quelqu'un à terre, c'est un truc de criminel. Quoi? Mais quoi, vous osez me traiter de criminel? Moi, Justice Brillant, le justicier galant? Dans ce cas, donnez-nous quelques informations sur l'enquête, on a besoin d'aide. Des informations sur l'enquête? C'est d'accord. Mais ne me traitez plus jamais de criminel, compris? D'accord, Justice. Il s'appelle Justin. On a reçu Apollo. Oui, pour le moment. On a réussi. Pardon. Parlez. L'enquête. Le procureur à la manoir est tombé bien bas. Un criminel yokai, il vous le condamner à tout prix. Papa, pimpin. Quand elle se met en rogne, un yokai pourrait certainement en faire des frais. Oui, à ce sujet, je lui ai demandé de rédiger une dissertation introspective. Ça m'étonnerait qu'il en retienne quoi que ce soit. Ouais, il va se contenter d'écrire Vyugatu 1000 fois. L'histoire du yokai n'est sûrement qu'un stratagème pour obtenir une condamnation. En vérité, le procureur Lame Noire pense que Malveina Tenma a placé des traces de yokai. Elle l'aurait fait pour tenter de protéger son père, le véritable assassin. Mais n'importe quoi, il ne pourra jamais le prouver. Oh, on se détend. Il n'a pas de preuves concrètes, mais nous avons trouvé ceci. Il était au pied de la falaise, juste à côté du manoir QB. Ah bah tiens. Attendez, c'est le bâton que Taro Tenma tenait, non? Le seul et l'unique. Monsieur Tenma a dû le jeter après son méfait accompli. C'est impossible. Y a-t-il des empreintes dessus? Non, aucune, mais si elle portait un costume, c'est normal. Que vous ayez des empreintes ou non, ça jouera en notre défaveur. À mon sens, le bâton appartenait au manoir. Mais si c'était le cas... Où Taro Tenma l'a-t-il trouvé exactement? Incroyable, meuf que peut-être dans la pièce, justement. Le procureur Lame Noire sait-il que la victime était l'incroyable neuf que? Oui, il est au courant, il a l'esprit aiguisé. Il a découvert en enquêtant sur la fusion municipale et le passé de la victime. Incroyable, neuf que a provoqué la folie des yokai et s'opposer à la fusion. Et le maire Damien Tenma est un politicien véreux qui a assassiné ce grand héros. Les fans étaient tellement en colère qu'ils voulaient prendre d'assaut le centre de détention. Je les comprends. Leur catcheur masqué préféré venait d'être tué.
La nouvelle a dû leur asséner un vrai coup de massue. Si je me souviens bien, Malveina est aussi une grande fan de l'incroyable 9Q. Le masque d'un catcheur vaut bien plus que sa vie. Il ne pourrait en aucun cas le retirer devant les autres. Mais dans certains matchs, les catcheurs s'affrontent pour démasquer leurs adversaires. Se voir retirer son masque est le pire des humiliations pour un catcheur. C'est pour ça qu'ils accordent une importance capitale à leur masque. Elle en parlait avec une telle ferveur. Nous aussi on va devenir des fans et aller manifester devant la prison. Mais quoi, non? Aurais-tu oublié que Monsieur Tenma est notre client en plus d'être le père de Malveina? Oui c'est vrai. Elle est dissipée la petite Athéna. Attention, vous défendez le maire le plus détesté de l'histoire. Vous pourriez vous retrouver victime d'une clé de genre brutale. Et si je portais un masque pour cacher mon identité, moi? Elle rivalise donc avec Hidalgo, je crois. Quelles sont les dernières nouvelles de l'enquête? Eh bien, pour tout vous dire, son suspect souffre d'amnésie partielle, mais il a réussi à se souvenir d'une chose. Ah vraiment? Qu'a-t-il dit? Qu'il ne voulait pas nous en parler. Plus précisément, je cite, « Rien ne m'oblige à converser avec de simples mortels. » D'autres remarques du même acabit. Je me demande de quoi il s'est souvenu le maire. On ne peut pas aller interroger, monsieur Lamanoir est déjà à l'œuvre. Ah, je sais, Novi allait attendre dans le bac à sable avec tous les autres gamins, haha. Connard. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Apollo? Et si on retournait à l'agence? Bonne idée. Ce Wright pourra peut-être nous donner quelques conseils. Allez, monsieur Wright. Je vais aller consulter de vieux dossiers. Et puis, faire des recherches sur les méthodes d'exorcisme. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tout déprimé. Comment dire, j'ai l'impression d'être au bord d'une falaise avec un pied déjà dans le vide. En gros, une journée d'avocat normal, quoi. Oui, voilà. La seule différence, c'est qu'on est aussi attaché à et baïonné. Avec un bandeau sur les yeux, les oreilles bouchées, tant qu'à faire. Bref, on est dans la merde, quoi. Oh oui, encerclé par des monstres durs, durs. Salut Apollo. Oh, salut Athéna. Monsieur Wright. Comment se passe l'enquête, vous deux? Disons que les choses ne vont pas en s'arrangeant. Ah bon? Que se passe-t-il? Notre défense, bah c'est la catastrophe. Ce matin, je vous observais tous les deux depuis la tribune, c'est un procès pour le moins complexe, c'est le cas de le dire. Je n'avais jamais défendu du yokai. Cette histoire de pièces verrouillées représentait un autre obstacle de taille. Et en plus de ça, Malveina est accusée de complicité. Mais au moins, vous savez comment l'assassin a quitté la chambre interdite. Pas vraiment, il semblerait que notre raisonnement soit un peu bancal. Oh vraiment? Je vois, ça s'annonce mal. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est quand tout va mal qu'un avocat doit arborer son plus beau sourire. Arborer un sourire? Oui, ma mentor me l'a enseigné à l'époque où j'apprenais encore le métier. C'est quoi, c'était Mélia? Non, Malia? Mia. Mia. Elle m'a aussi appris à retourner aux sources en cas de besoin. Mais moi je veux voir Maya, moi. Pourquoi y'a plus Maya dans le jeu? Retourner aux sources? C'est ça, ayez toujours foi en votre client, quoi qu'il arrive. Telle est la plus redoutable et fidèle carte de tout bon avocat. Le retour aux sources, toujours avoir foi en son client. Hein. Athéna est où? Monsieur Wright, depuis quand connaissez-vous Athéna? Je l'ai rencontré lors d'un voyage aux États-Unis. Pardon? Vous êtes allé aux États-Unis? Ça m'en bouche un coin. Oui, j'ai voyagé quelques fois pour étudier les différents systèmes judiciaires. Oh, d'accord. Attendez. Je croyais que vous étiez devenu pianiste après avoir renoncé à votre carrière d'avocat. C'était le cas, mais ça m'arrivait d'aider une vieille connaissance de temps en temps. Je vois, vous n'étiez jamais bien loin de la salle d'audience. Est-ce que la vieille connaissance, c'est pas Benjamin Hunter qui allait aux États-Unis, je crois? Il me semble. On peut dire que le destin nous a réunis. C'est grâce à Monsieur Wright que je suis devenue avocate. Ha, dès que je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle était taillée pour le droit. Et je fonde de grands espoirs en sa capacité pour analyser les émotions des gens. Mal à parler. Ouh, c'est rien d'extraordinaire, vous savez. Peut-être sous-estimer cette histoire de psychologie analytique. Je me disais que si mon aptitude spéciale pouvait aider les innocents, alors je devais tout faire pour m'en servir dans la salle d'audience. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à bûcher comme une dingue. J'ai encore du mal à croire qu'elle soit devenue avocate. Et il y a seulement 18 ans qui plus est. Moi, c'est incroyable. Ou bien personnel, comme si elle essayait d'aider quelqu'un qu'elle connaissait. Génial. Notre petite discussion m'a bien requinqué, Monsieur Wright. Comme vous dites, c'est quand tout va mal qu'un avocat doit arborer son plus beau sourire. Et quand vous êtes coincé, pensez à retourner aux sources. Toujours avoir foi en son client, compris. Monsieur Wright, oui. Je vais retourner voir notre client. Je crois que c'est une bonne idée. Parfait. Maintenant, allons faire un tour au centre de détention. Allons-y. 18 avril, centre de détention par Loire. Monsieur Tenma, nous devons vous parler. Croix. Ainsi, mes serviteurs sont de retour. Apollo, il se prend encore pour un yokai. Je me demande si on pourra de nouveau parler au maire un jour.
Il faut lui remettre le talisman à la gueule. Silence, suppôt de la loi, libérez-moi, créant de cet infâme cachot. Eh bien, il parle plus. Il a l'air d'un vrai démon. Je commence à me demander si on doit vraiment l'aider à sortir d'ici. On ne va même pas le laisser, monsieur Tenma, dans cet état, si. Si vous pensez pouvoir affûter les soupçons qui pèsent sur moi, je viendrai vous aider. Parlez à présent, posez-moi vous des questions. Ça va le coup d'essayer, j'imagine. Ah, bah, je l'ai plus. On me l'a viré. Merde. Je vais lui foutre le. Le talisman qu'elle nous avait filé, Malvenia, mais je l'ai plus. Et où véritablement placer les plumes et les empreintes sur la scène du crime? Certes, ce ne sont là que des reliquats de Tarot Tenma, roi des ténèbres. Ah, c'est vraiment, je pourrais de nouveau servir les humains, croix. Tout selon l'accusation, c'est Malvaina qui a fabriqué les traces de yokai. Couille, je vais défoncer ces murs pour sauver ma petite Malvaina. Mais que, monsieur Tenma, vous vous sentez bien? Je vois, Damien n'a pas encore quitté cette enveloppe corporelle. Mais j'aurais dû m'en douter puisqu'il met ma descendance. Silence, Damien. Possession démoniaque ne saurait porter atteinte à l'amour d'un père pour sa fille. Vous n'avez pas tué le conseiller Kyubi, n'est-ce pas? Ne tuez personne, les vestiges de ma présence ont été mal interprétés. Je ne suis point l'assassin. J'avais pourfendu ce mortel. Les flammes de l'enfer auraient léché son corps avant de la vache. Donc, selon vous, une autre personne se trouvait sur les lieux. Il est vrai que le maire a été frappé avec cette statue. Je devrais lui en parler. Ce dont vous vous êtes souvenu. D'après l'inspecteur Briand, vous avez quelque chose à me dire. En effet, j'ai régurgité cette clé de naguère. Contemplez, la clé de la chambre interdite. La régurgitation fait-elle partie de vos nombreux pouvoirs démoniaques? C'est dur, hein. C'est dur aujourd'hui, là, je sais pas ce que j'ai. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo que j'arrive plus à parler. Point, mes pouvoirs sont sans commune mesure avec ces vulgaires tours de passe-passe. Damien a soustrait la clé à l'assassin pour ensuite l'avaler. Son objectif était de l'empêcher de pénétrer dans la chambre interdite. Vous voulez qu'elle reste fermée? Cependant, nulle empreinte ne souille plus cette clé sacrée. Comment le savez-vous? Un instant, serait-ce là l'un de vos pouvoirs démoniaques? Un prudent mortel, vous me pensez, pour un vulgaire alchimiste de pacotille? J'ai ordonné au geôlier, il s'est exécuté. T'as un suppôt dévoué, croix. C'est un honneur à vous servir votre malveillance. Je vois que je ne suis pas le seul à qui il fiche une peur bleue. Puis-je savoir comment fonctionne cette clé? Nous n'avons pas trouvé de serrure sur la porte ou à côté. Maudite soit cette porte infernale. Je possédais cette connaissance, j'aurais orchestré mon retour bien plus tôt. Il a raison, Apollo. Malvenia pourrait peut-être nous répondre. Clé de la chambre interdite, ajoutée au dossier de l'affaire. Elle est où, Malvenia? Elle est à l'agence? Non. Elle est dans le jardin? Dans l'entrée du manoir? Dans la ruelle, les yokai? Non plus. Tadat. Ah, mais zut! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, elle est brillant. Bah non. Où est-elle? Ta la ta ta. Mais. Ta la la la. Non, mais là, tu me dis rien. Ta 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 la la ta. Papin, pimpin, lapin. Où est-ce qu'elle pourrait être? Les idées, le procès. Tata. Bon, on va lui parler à elle, du coup. L'endroit a été verrouillé au moment du crime, c'est une sacrée énigme. De seules personnes présentes à ce moment étaient le conseiller et le maire. Peut-être que le tueur était caché dans la pièce. Est-il seulement possible de se cacher dans la salon du renard? Dans la statue, peut-être, qui est cassée. La journée d'audience était mouvementée, les journaux n'arrêtent pas de parler de Tarot Tenma, notre invité surprise, où sont les exorcistes quand on a besoin d'eux? Il paraît que le juge a fait exorciser la salle d'audience après cette apparition. Tant mieux, avec un peu de chance, on n'entendra plus parler de ce fichu yokai. Ça m'étonnerait, ce Tarot Tenma m'a l'air assez coriace pour mettre un exorciste à la retraite. Note que ça pourrait aussi marcher pour son avocat. RIP. Et elle est où cette quiche? Faut que j'aille le présenter à Phoenix.
Pas mal, Apollo. Souviens-toi de ce qui en concerne les preuves. Le signe est d'une grande importance. Pile au moment. Non. Plie un peu moins le coup de regard, justement. Ça va aller. Je fais attention la prochaine fois, promis. Lol. Mais elle est où Malvaina, sérieux? Je sais pas. Non, ok. Alors, on va sauvegarder. Ah, le coup dans la gueule. Ok. Le coup dans la gueule. Effectivement. Qu'est-ce que ceci, si je puis me permettre? C'est une statue trouvée sur les lieux où quelqu'un s'en est servi pour frapper le maire à la tête. Avant le meurtre du conseil, on l'a enveloppé dans un grand tissu. Laissez-moi voir ceci avec Damien, il en saura peut-être plus. Oui, il se souvient bien d'un artefact enveloppé dans un linge. Ce serait un cadeau secret du conseil Kubi. Toutefois, c'est la première fois qu'il voit la statue car le tissu l'a caché. Le tissu peut-être tombé ou a été retiré après que le maire ait reçu le coup. Ça, Damien l'ignore. Un cadeau secret, intéressant. Malvenia pourrait-elle être au courant? On doit aussi interroger à propos de la lettre de menace. Voyons sa réaction quand je la lui présente. Mais c'est la certaine lettre de menace envoyée à Damien. Quelqu'un l'aurait mise dans la poche du conseiller. Nous estimons que quelqu'un, probablement l'assassin, l'a volée dans la mallette du maire. Que pourriez-vous dire à ce sujet? Croix, posez-moi vos questions si vous l'osez, mortel. Ah. Il y avait la lettre de chantage aussi. Qui a déposé ceci dans la poche du conseiller? Très peu de gens connaissent l'emplacement de la lettre. Dans ce cas, la personne qui savait que la lettre de menace était dans la mallette du maire aurait également pu la voler pour la déposer dans la poche du conseiller. Ah, serait-ce lui le responsable? Monsieur le maire, monsieur Tarot, vous pensez à quelqu'un en particulier? C'est exact, une seule autre personne était au courant de la lettre, l'assistant de Damien, Louis Lebel, évidemment. Cet assistant avait pleine connaissance du contenu de la mallette. Si vous dites vrai, il serait le maître chanteur et le meurtrier que nous recherchons. C'est tout bonnement invraisemblable. Il est un conseiller des plus fidèles. Pour rien au monde, il ne trahirait Damien. Ce Senma semble faire trop facilement confiance à son entourage. Ça reste une énorme révélation. On sait désormais qui aurait pu mettre cette lettre de menace dans la poche du conseiller. Prenez garde, Louis Lebel, justice sera rendue. Allons voir Monsieur Lebel pour lui rafraîchir la mémoire. Merci pour votre aide, vous venez de nous deux offrir une belle piste. Lettre du maître chanteur, mise à jour. Malgré tout, une question me taraude encore. Si Monsieur Lebel est l'assassin, mais qu'est-ce qui l'aurait poussé à ouvrir la chambre interdite? Il faudrait y entrer pour chercher des indices. Mais il y a un souci. Comment ouvrir une porte sans serrure? Allons papoter avec Malvaina, elle pourrait nous prêter main forte. Ben voilà, il était temps. Eh mais c'est... Malvaina, elle est toujours là. Oh, vous osez me retenir prisonnière. Malvaina, elle n'a pas l'air d'être elle-même. Cette signa, il subira mon courroux, il s'offrira, vous verrez cet affront, Malvenia, est-ce que tout va bien? Paf! Oh, c'est vous, monsieur l'avocat démon. Tu es bien matinal, Malvena. Matinal, c'est déjà l'après-midi, non? Et qu'est-ce que je fais là? Je m'étais juste allongé pour faire une sieste au manoir. Oh non, c'est sûrement le Makura Gaishi. Makura quoi? Vous ne vous êtes jamais réveillé après une mauvaise nuit sans votre oreiller, en vous rendant compte que vous avez dormi par terre ou dans le couloir? C'est la faute de ce yokai. Le Makugarashi adore s'attaquer aux gens qui dorment. Non, ça m'est jamais arrivé. Tu vas essayer de bien border ton lit, non? Ou peut-être prendre un sac de couchage. Ou alors, tu es peut-être somnambule. Malvaina, comment se fait-il que tu n'aies plus de talisman sur le front? Comment? Oh, ils ont dû tomber. Sans eux, je suis la proie des démons. Je crois qu'on vient d'en avoir une belle démonstration. Je suis aimé de les remettre. Malvaina, nous avions quelque chose à te demander. Ah, moi aussi, je voulais vous parler. Je me suis souvenu de quelque chose. Vraiment, quoi donc? Tu peux nous dire ce dont tu te souviens. Mais après le procès, plein de trucs me sont revenus. Mais il y a quelque chose qui m'a semblé bizarre.
J'ai peur de demander, mais je me lance. Ah oui, quoi donc? C'est à propos des plumes et des empreintes du yokai. Elle n'était pas là quand j'ai ouvert la porte. Attends, c'est une blague. Tu es sûr de toi? Oui, je me souviens de tout maintenant. Alors d'après toi, elles sont apparues après que tu aies découvert la scène du crime. Ça pourrait nous attirer de gros ennuis, Apollo. Pourquoi ça? Parce qu'on accuse déjà Malvania d'avoir laissé des traces de yokai sur les lieux. Si elle n'y était pas lorsqu'elle a découvert la scène du crime, on va encore plus croire qu'elle a fabriqué des preuves après les faits. Argue, la mémoire brouillée de Malvania joue vraiment à notre défaveur. L'accusation prétendra sûrement qu'elle ne se souvient pas d'avoir fabriqué les preuves. On n'arrivera jamais à refuter ses arguments. Oh là là, c'est pas bon du tout. Pourvu qu'elle n'ait pas placé les preuves en pleine crise de somnambulisme. Ouais, on espère. La chambre interdite. Malvania, tu ne saurais pas comment ouvrir la chambre interdite par hasard. La porte n'a même pas de serrure. Selon la serrure, selon la rumeur, elle serait équipée d'un mécanisme secret. Apparemment, il faudrait le trouver pour que la serrure apparaisse. Un mécanisme secret, pour de vrai? Oui, il est caché dans le salon du renard. Mais seul le conseiller Kyubi savait où il était et comment il fonctionnait. Dis donc, il avait des secrets à foison, le conseiller du vallon de neuf queues. Apollo, essayons de trouver ce mécanisme secret. Et pas si vite, j'ai une autre question à poser. Malvania, existe-t-il un double de clé pour la chambre interdite? Non, même le passe-partout du manoir ne peut l'ouvrir. Parce que c'est une pièce très spéciale qu'il ne faut jamais ouvrir. Ça voudrait dire qu'une personne n'est entrée dans la chambre interdite. C'est-à-dire que personne n'est entré dans la chambre interdite après le meurtre. On sait que monsieur le maire a pris la clé au tueur avant de l'avaler. Donc ses efforts pour empêcher le tueur d'accéder à la chambre interdite n'étaient pas vains. Clé de la chambre interdite. Mise à jour dans le dossier de l'affaire. Vous pouvez pas juste détruire la clé? Si vous voulez pas ouvrir la porte, pourquoi garder une clé? Je pose la question. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.